Cette émission vous est sponsorisée par la MGène! La MGène! Ça me gêne pas d'y être! Ha ha Et bien quand, Nicolas? Hein? Ça va, bien? Oui, ça va. Et toi? Ouais, ça va bien. Eh, écoute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est. Calme-toi. C'est les protéines, c'est pour la masse musculaire. Pour me muscler, tu vois. Ah, d'accord. Les biceps, tout ça. C'est très nombreux! Ouh! Ah! Ouh! Ah! Ouh! Ah! Ah, je sens que ça vient, les muscles là. Là, ça marche. Antenne dans une seconde! Ah! Ah! Est-il difficile de tourner une pub Lipton Ice Tea avec Hugh Jackman? Bon, l'idée, c'est que le mec, en fait, son pote d'enfance, c'est Hugh Jackman. Ouais. Il le croise dans un aéroport. C'est pas là, je crois. Mais il croit que c'est Hugh Jackman, mais ce n'est pas Hugh Jackman. Ah. Ah ouais, ouais. Je vais te montrer ça. Barry? Welcome to the airport. Welcome to the airport. Bienvenue à l'aéroport. Archnimo à l'aéroport. Paris. Aéroport de Besançon. Besançon, petite ville de l'Est. 2 minutes d'arrêt. Ah, Hugh Jackman. Ça va? Oui. Ah, ou, ah, ou, ah. Non. Ah, dis-le que c'est toi. Oui. C'est vrai? Non. Lipton Ice Tea, quand vous en buvez, vous croyez rencontrer Hugh Jackman. Mais enfin, c'est ridicule. Les gens, ils sont pas aussi cons que ça, quand même. Oui, mais la petite danse, c'est sympa, tu vois. Ah, ou, ah, ou, ah. C'est notre identité. Notre identité. Ah, ou, ah, ou, ah. C'est vrai qu'elle est bien, quand même. Ah, ou, ah, ou, ah. Incroyable. Ce que je vais vous dévoiler est incroyable. Ça va durer à peine 1 minute, mais c'est incroyable. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Ça. Bon, je vous disais, je vais vous révéler les composants de la bombe atomique. Attendez, vous jouez là? Oui. D'accord. Alors, un petit peu de nitrate, un peu de potassium. Non, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller alors. Hein? Oui, oui, voilà, faites voilà, ça. Je vais y aller. Des œufs, de la farine et un beau bol de lait. Non, ça c'est pas ça. Non, du plutonium, du nitrate, beaucoup de nitrate, un petit zeste de citron et aussi du citron de verre. Et ensuite, encore un petit peu de carbone 14. Non, parce que j'adore interrompre le travail des gens en fait. Mais putain, Non, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ce sera pour une autre fois. Bonsoir, c'est e-télévision. L'info se rapproche pour vous. Nous avons ici, avec nous, bientôt Hamidou Abdoul en interview exclusive d'une nouvelle star comique au nom de Babas. C'est bien ça, Hamidou? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, petit Babas. Ici Hamidou Abdoul, je suis avec Babas. Les lunettes, d'habitude, je les ai pas. Christian Babas, c'est ça? Christian. Christian Babas? Christian. Christian Babas? Christian. Christian? Christian. Christian. Christian Babas. Christian Babas? Christian Babas. Qui est avec moi ce soir, alors dites-moi, Christian. Christian. Vous allez faire un spectacle à l'Olympia? Les oreilles. Mais après, mais il faut que je parle très fort, vous voyez. Je suis pas nerveux, moi. Bah moi, si. Alors, vous allez donc faire un spectacle à l'Olympia, c'est ça, ce soir? Ah non, c'est à l'Olympus. C'est comme l'Olympia, mais c'est avec un puce. Ok. Et donc... L'Olympus, pas l'Olympia. Donc à l'Olympus, ce soir, c'est bien ça? L'Olympus, ouais. Et combien... Et à quel prix seront vos places? 800 euros. Quoi? 800 euros. Comment ça, 800 euros? Ben, 800 euros les places. 800 euros. Toutes les places, 800 euros. C'est tout. Ah, toutes les places. Vous me rassurez. Bah oui, c'est... Mais tu me demandes... Sinon, si tu vas acheter la salle, t'achètes la salle, c'est tout.
Et une place pour un spectateur, ça coûterait combien? 2 euros. Parce que ça coûte 2 heures. 1 heure, 1 euro, 2 heures, 2 euros. Après, tu manges avec moi, ça fait 3 euros. Tu dors avec moi, ça fait 11 euros parce que je dors 8 heures. Je pense que je n'irai que... Je pense que je n'irai que jusqu'au dîner. Ici à Midi Abdoul, en direct avec Christian Ramos. Mais ça, je vois. Bienvenue avec un gros chéquier. Bienvenue, bienvenue, bonjour. La secte des tounes, un gros chéquier. Nous formons une confrérie d'hommes. Nous avons décidé de nous balader nus, mais nous n'avons pas tous embrassé leur homosexualité. Tout à fait. Eh bien, rejoignez-nous, mettez-vous tout nus et ramenez-vous avec votre gros chéquier. Devinez où vous devrez le mettre, votre gros chéquier. Non, mais on avait dit de ne pas dire ça avant la deuxième réunion. Et prenez vos papiers. Vous savez aussi où vous les mettrez. Oh putain, il n'y aura personne qui viendra, hein. Mais c'est moi, c'est le Coutoulou, il m'a dit qu'il faut dire ça. C'est un peu d'humour. Ah si, c'est le Coutoulou qui l'a dit. Le Coutoulou. Luigi & Co. Oh. Suite à un procès de BFM TV, d'ITélé, pardon, nous allons nous attaquer non plus à ITélé, mais à BFM TV. Bonsoir, c'est BFM TV, numéro 1 des news en France, devant ces connards d'ITélé. Bienvenue sur BFM TV. Aujourd'hui, le pape aurait 135 ans, mais qu'est-ce que... Ça t'amuse, hein? Hein, viens les petits cons, là. Alors, ça te craque, là? De décrire des conneries au compteur, dégage. Non, on ne traite pas les assistants comme ça. C'est pas parce que vous êtes plus vieux que moi que vous devez vous permettre des trucs pareils. Moi aussi, au début, j'étais plutôt nerveux et je répondais à mes associés comme ça. Mais depuis... Avec sa règle. Je me suis calmé depuis. Non, coupe pas. Un temps où Gainsbourg faisait brûler ses billets pour lutter contre les impôts. Regardez ce que fait Nicolas. Ça a toujours l'air plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Oui, monsieur, oui. Maintenant, nous allons brûler cette feuille. Ah. C'est vraiment de l'arnaque. Ouais. T'as soulevé notre masse. Vas-y mec, qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais que se passe-t-il? Vu sur e-télévision. Aujourd'hui, l'information se rapproche. J'ai rien à foutre. Moi, Marc Lavi. Moi. Oui, c'est... ça se voit. Et la deuxième information primordiale, c'est que je suis con. Non mais, qui a mis ça? Non mais je ris, mais ça me fait pas rire, hein. Il y a beaucoup de... Non. Il y a beaucoup de... Ah merde. Non. Il y a beaucoup... Au glaçon, monsieur. Putain, il s'est pareil, connard. Vous étiez censé vous rapprocher de Libye, non? Vous oh. Êtes pas à Tripoli? Oh putain, merde. Mais tiens-nous! Oh putain, merde. José, vite, le preneur son. Toum. Salut. C'est quoi ça? Les protéines, c'est pour muscler, masse musculaire, tout ça. D'accord. Bonsoir. Bien plus près, on va la refaire. Surgit de là, du coup. Ah oui, j'avais oublié qu'il tuait ses assistantes à chaque fois. Je veux voir, je suis sûr qu'il... C'est Hugh Jackman. Axe, dis-le que c'est toi. Bonsoir. Merde. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue, je m'appelle Nicolas. Putain, bonsoir. Ça se passe pas comme ça, merde! Ça se passe pas comme ça, merde! T'es con! T'es con, donc jamais! Non, mais c'est frappé!
Je vais te ma... Ce sera pour une autre fois. Ici à Midi Abdoul en direct de... avec Christian Mamas. Mais ça, je vois en tête. Ah. G